Salut tout le monde, c'est Shirelle. On se retrouve donc sur Sangoku Dynasty. Vous m'aviez largement connu au niveau de Medieval Dynasty, où je vous avais fait pas mal de tutos, les traductions des matchs, qui c'est en anglais pour ceux qui ne le parlent pas. Vous aviez été nombreux à me suivre à ce moment-là. Donc évidemment que je suis allée sur Sangoku Dynasty pour voir un petit peu ce que ce jeu valait, puisqu'il était un petit peu partout noté comme le nouveau Medieval Dynasty. À l'heure actuelle, le jeu est sorti le 10 août 2023. Il est édité par Toplis, développé par Superkami. Il est en ce moment hors promo sur Steam à peu près 30 €. Et il est en accès anticipé. Alors, le problème qu'il y a, c'est que Toplis en ce moment développe énormément de jeux, édite énormément de jeux, pardon, puisque Toplis est l'éditeur, mais avec différents développeurs. Je ne reviendrai pas sur Wild Dynasty qui n'a aucune mise à jour et qui est catastrophique. Et si vous allez sur la chaîne de Toplis de YouTube, vous verrez qu'il développe 4-5 jeux d'affilée. Donc, à voir comment ça va se passer, parce que ça fait beaucoup de jeux que Toplis lance. Et Wild West, qui est sorti maintenant il y a un petit moment, malgré le retour négatif, plutôt super négatif du jeu, rien n'est fait. Il n'y a aucune mage, il n'y a rien du tout. Donc, bon, on est là pour parler de Sangoku Dynasty. Petite précision toutefois, au niveau de Medieval Dynasty, il y a eu des changements. Donc si vous n'êtes pas revenu dessus, je vous encourage à le faire. Sachant que depuis juillet, nous sommes en mode alpha fermé pour tester le mode coop et pour tout simplement avoir un personnage féminin au lieu d'avoir tout le temps Rassimir, un personnage homme qui crée sa dynastie. Donc on est en train de tester tout ça en mode alpha qui est fermé depuis juillet. Il fallait postuler, évidemment, et puis incorporer le mode alpha. Donc, on est en train de tester le mode coop et on est en train de tester le personnage féminin pour voir comment ça fonctionne, etc. Donc, dès que j'aurai un petit peu plus de renseignements là-dessus, je vous tiendrai au courant. On n'a pas pour l'instant de date définitive de sortie concernant Medieval Dynasty pour l'ajout du mode coop et pour l'ajout de ce perso féminin et non masculin qu'on avait dans Medieval. Je vous invite donc à, si vous n'y êtes pas retourné depuis un moment, à le faire. Et moi, je prends un réel plaisir à y revenir, malgré que j'avais fait je ne sais combien de vidéos sur YouTube. Vous avez les let's play si vous voulez. N'oubliez pas évidemment de vous abonner à la chaîne pour avoir tout ce qui est nouveauté, c'est-à-dire que ce que je ne fais pas sur Twitch, je vous le présente sur YouTube, les découvertes, lorsque des développeurs m'envoient des clés ou autres, ben, tout simplement, je le fais sur YouTube et non sur Twitch. Pour Sangoku Dynasty, on va se retrouver en jeu. Je vais vous donner, moi, à l'heure actuelle, je vous l'ai dit, hein, j'ai fini Sangoku Dynasty, Medieval, n'importe quoi. Donc, dans Sangoku Dynasty, vous pouvez actuellement, à l'heure actuelle, aller jusqu'au niveau 21 de la dynastie et pas plus. Voilà. Donc moi, je le trouve, pour la vie, je vous le donne immédiatement. En l'état actuel des choses, je le trouve un petit peu rondondon, très répétitif. Il n'y a pas grand-chose à faire. Je regrette un petit peu qu'il n'y ait pas au-dessus des personnages. Alors, ça sera peut-être fait par la suite. Hein, il est toujours en accès anticipé, donc c'est pas une critique, c'est une suggestion. Tout simplement qu'on ait comme dans Medieval les compétences au-dessus de la tête qu'on pouvait voir dans Medieval, c'est-à-dire ben, il est fort en jardinage, il est fort en machin, parce que le problème qui se pose dans ce jeu-là, c'est que vous devez construire, il y a des travaux à faire, des réparations, des projets comme ils disent. Et il y a des ouvriers qui sont spécialisés là-dedans. Donc, le problème actuel qu'il y a quand vous avez fini le niveau 21 de la dynastie, le problème est que vous allez créer, donc quand vous finissez le niveau 21, c'est un petit spoil, mais rien de méchant, vous allez aller devoir parler au moine une nouvelle fois qui va vous donner une quatrième cloche. Et là, vous aurez le générique vous disant que vous avez fini l'état actuel du jeu et qu'il vous remercie et que si vous avez des suggestions à faire, il vous invite à aller sur leur Discord ou leurs autres réseaux sociaux. Donc, ce qui se passe, c'est que effectivement après, ben, vous pouvez continuer, admettons, plutôt qu'attendre une mage. Moi, je préfère attendre une mage parce que vous allez voir qu'il y a des choses qui se débloquent, qui sont très compliquées. Il y a des choses qui ne sont pas évidentes, on va le voir ensemble. Mais par contre, le problème est que
Comme il n'y a plus de projet à faire, quand vous recrutez un réfugié, vous, comme vous ne savez pas en quoi il est bon, s'il est bon à la forge, s'il est bon, je sais pas moi, à la cueillette, s'il est bon, voilà, dans l'artisanat ou dans les constructions, le problème, c'est qu'il est en colère, puisque actuellement, il n'y a plus de projet. Moi, actuellement, dans ce que je vais vous montrer, tous les projets sont faits. Donc, effectivement, j'ai recruté j'ai commencé un deuxième village, j'ai encore deux cloches, donc de quoi faire encore deux autres villages, et j'ai recruté un réfugié que j'ai trouvé, et il se trouve qu'elle est, elle construit les projets. Donc effectivement, vu que j'en ai plus pour l'instant, elle n'est pas très contente à la demoiselle, donc j'ai essayé de la mettre à différents postes, que ce soit la forge, que ce soit autre. Et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que les constructeurs de projets ne sont heureux que quand ils font des constructions de projets, mis à part la première que vous rencontrez, vu que elle, ce qu'elle veut, c'est passer ce fameux pont pour pouvoir aller se balader un petit peu. Donc dès que vous aurez fini tous les projets, elle sera heureuse. Mais par contre, attention quand vous recrutez. Mais hélas, ce n'est pas marqué. Deuxième chose très importante à savoir avant qu'on aille en jeu. Et c'est noté sur Steam, ça a été remonté auprès des développeurs. Quand vous commencez le jeu, je ne vais pas faire le blabla que tout le monde connaît. Quand vous échouez, vous faites bien, prenez bien votre temps, faites le tour, récupérez les ressources sur les bateaux, machin, truc. Vous allez aller au village brûlé. Et là, donc, on va vous donner trois quêtes. Trois premières quêtes. Ces trois premières quêtes, faites-les une par une. Pourquoi? Parce qu'il y a un bug que les développeurs vont corriger. Ils sont au courant, vous pouvez aller voir sur Steam, bien sûr c'est en anglais, ils sont au courant, mais ils sont en train de régler énormément de choses, donc ce sera dans un prochain patch, quand on ne sait pas. Mais si au niveau 5 de votre dynastie, vous n'avez pas débloqué la cabane de pêche ou ce que j'appellerais la mine, qui n'est pas la mine, mais là où on fait les pierres taillées, si vous n'avez pas débloqué cela niveau 5 maximum, niveau 8, vous avez le bug. La seule solution que vous avez, hélas, et oui, ça fait rager, c'est de recommencer une partie. Ça m'est arrivé, c'est arrivé à d'autres personnes avec qui j'ai parlé sur le Discord, et pour le moment, la seule solution qu'il y a, c'est de recommencer une partie, faire, bon, en même temps, quand vous prenez les trois premières quêtes et que vous êtes niveau 5, niveau 8, bon, vous en êtes qu'au début de la partie, quoi, hein. Vous avez encore de quoi voir. Mais par contre, si vous voyez qu'au niveau 5, niveau 8, vous n'avez pas débloqué la cabane de pêche, que vous n'avez pas débloqué l'exploitation minière, façon de parler, puisque vous, c'est pas comme dans Medieval, c'est pas une mine que vous mettez à côté d'une mine et puis vos ouvriers vont y taper le fer ou autre. C'est pas du tout ça. Ça sert à faire des pierres taillées, je vais vous le montrer. Autre bug aussi, donc. Seule solution, je vous dis, c'est recommencer une partie parce que là, votre let's play ou votre partie est morte, sauf si vous la mettez en stand-by et que vous attendez le patch, mais on n'a pas de date prévue pour savoir quand il va arriver pour corriger ce problème. Autre problème aussi qui a été mentionné et relevé, c'est que dans les mines, il y en a trois sur la carte en dehors de la mine qui se trouve dans le village. Tout à fait au sud, je crois, de la map. Il y a trois autres mines à trouver. Dans ces mines, donc, vous pouvez miner votre fer. Mais le problème, c'est qu'une fois que vous avez miné votre fer, moi, personnellement, ça n'a jamais repop. Les ressources n'ont pas repop. Ça a été mentionné aussi. Et les développeurs sont au courant et vont corriger cela aussi. Donc, ça fait beaucoup de choses qui pour l'instant sont un peu tangantes. Et moi, pour le moment, mon avis serait que c'est un jeu qui a de l'avenir, certes, à condition que on se retrouve avec des personnages, des PNJ, qui soient un petit peu plus vivants, comme un petit peu on a dans Medieval, c'est-à-dire qu'on les voit un petit peu plus travailler, qu'on les voit un petit peu plus bouger. Il y a eu un patch correctif sur Steam là récemment, qui le disait. Donc, ils font en sorte que, mais il faut leur laisser le temps, effectivement, en espérant que ça ne mette pas, comme fait Toplice très souvent, et c'est là leur problème, que ce soit, je l'avais déjà dit dans Medieval, dans Lumberjack, dans Farmer Dynasty, ou les jeux Toplice, tout ce qui concerne la dynastie, ils mettent énormément, énormément, énormément de temps
à faire en sorte que le jeu soit correct, suivre l'ordre médiéval. Vous voyez, encore des choses qui se sont ajoutées. Il y a encore des choses qui vont se rajouter. Donc, bon, ben, le problème, il est là. Et des fois, on aime bien un jeu et on a envie d'avancer et on ne peut pas parce que voilà. Donc, après, oui, vous direz, ben, il suffit d'attendre que le jeu soit terminé pour l'acheter et non pas l'acheter en accès anticipé. Et c'est vrai. Mais bon, voilà quoi. Donc, moi, au début, là où j'en suis, la fin du jeu, la version 0.1, vous le voyez en bas, 0.1.3.1, je vais y arriver. Bah, tout simplement, je le trouve un petit peu redondant, plus ces problèmes-là. Mais on va aller en jeu et je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a à faire. Alors, il ne faut pas oublier que les bandits ne sont pas. Alors, vous allez me dire, mais elle dit n'importe quoi, il y en a des bandits. Oui, il y a des petits bandits comme ça. Voilà, un petit peu sur la map, vous allez en croiser. Les bandits ne sont pas encore incorporés dans le jeu. C'est-à-dire que vous allez subir des attaques, hein, pas comme dans Medieval. Vous allez subir des attaques de bandits qui vont vouloir pénétrer votre village. Donc n'oubliez pas, quand vous construisez votre village, de construire des barrières tout autour pour protéger votre village. Et non seulement, ben, ça mettra en sécurité vos villageois et ça montrera leur bonheur. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc retenez bien ça. Si vous avez le bug de la pêche plus de la, je dirais, mine, ben, recommencez votre partie ou attendez le patch. Et il y a trois mines sur la map, dont le problème étant pour l'instant que ça repop ou ça ne repop pas pour l'instant. Moi, en tout cas, dans ma partie, alors est-ce que j'ai un bug? Peut-être. Mais sur Steam, il y a beaucoup de gens qui l'ont marqué aussi, que le fer ne repop pas. Donc, le problème étant, c'est qu'au bout d'un moment, on a plus de fer. Donc, on voudrait aller en rechercher. Mais on ne peut pas, parce que ça n'a pas repop. On voit bien les cailloux sur les murs, mais il n'y a pas, on peut pas, il n'y a aucune interaction possible. Donc, on ne peut pas transformer le fer en acier, avoir des outils plus compétitifs. Et ben, on est bloqué et on ne peut plus construire des armes, quoi, tout simplement, ou tout ce qui nécessite du fer ou de l'acier. Voilà, donc on va aller en jeu. Je vais vous montrer ça très vite parce que les saisons, bon, vous le savez, sont de 2-3 jours. Et je vais vous montrer donc combien il y a actuellement de projets disponibles sur la map avant que vous finissiez effectivement le jeu, c'est-à-dire niveau 21. Et je vais vous montrer quelques petites astuces qui vont vous permettre, comme je le faisais pour Medieval, d'avancer un petit peu dans le jeu. Parce qu'au niveau 21, sachez une chose aussi, c'est que vous ne débloquerez pas la taverne, hein, façon de parler, hein, où ils peuvent se retrouver, boire comme dans Medieval. Et vous ne débloquerez pas non plus, en regardant un jeu, je ne sais plus laquelle c'est. Mais il y a un autre endroit que vous ne débloquerez pas. Donc, il y a deux ateliers que vous ne débloquerez pas au niveau 21 quand vous aurez terminé le jeu en l'état actuel. On se retrouve en jeu et je vous explique tout ça. À tout de suite. On se retrouve donc dans mon village. Donc, c'est le tout premier village, hein, celui où tout était brûlé. Donc, si je vous montre par rapport à ma map, ici. Vous avez bon le deuxième village, voilà. Donc je l'ai mis là, mais j'ai mis une maison, un truc pour mettre des entrepôts dynastiques, etc. Enfin bon, rien d'extraordinaire. Tout est vraiment centré ici, sachant que les petits points que j'ai mis là sont des endroits où j'ai peut-être l'idée après quand il y aura une mage de faire plutôt comment dire de faire les autres villages en fait. Voilà. Donc les bandits qui sont ici, vous ce ne sont pas des bandits. Là, il y avait écrit bandit, ça a été enlevé. Ici, c'est le grand temple des moines, donc où vous devez aller parler aux moines. Ici, vous avez Iwazaki, qui est le village du bois. Et ici, ou Segi, je ne sais plus, l'un ou l'autre. Enfin, vous avez un village spécialisé dans le minerai et un village spécialisé dans le bois. En tout, vous voyez, quand vous aurez terminé le jeu, voilà le nombre de projets qui existent actuellement au niveau 21 du jeu. Soit la fin du jeu en l'état actuel, il y en a 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a entre 15 et 16, au cas où j'en ai oublié un à vous montrer, il y a entre 15 et 16 projets à faire. Alors, si j'ai un petit conseil à vous donner, quand vous aurez recruté des villageois, il y a des projets qui demandent une personne, comme les tours de guet ou les ponts. Certaines tours de guet demandent 2-3 personnes, mais ici, les gros projets demandent jusqu'à 6 personnes. Donc, si il faut mettre 6 personnes sur ce projet, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus travailler dans votre village pendant qu'ils vont faire le projet, et le projet, plus il est gros, plus il peut se faire en une, deux, trois ou quatre saisons. Donc c'est énorme. Donc c'est-à-dire pendant quatre saisons, vous n'aurez pas vos ouvriers qui vont couper le bois, vous n'aurez rien de tout ça. Vous aurez que ceux que vous aurez gardés, et encore si vous ne les avez pas tous mis sur ces gros projets-là. Donc on va visiter un petit peu. Alors au niveau du personnage, donc vous allez récupérer des vêtements sur la map, soit en fouillant un petit peu comme dans Medieval, en fouillant un petit peu des tonneaux, des machins qui se baladent. Vous allez pouvoir trouver divers vêtements qui pour l'instant n'ont aucun impact. C'est pour ça que vous ne voyez pas ici, vous ne voyez pas des points d'armure puisque les bandits ne sont pas incorporés. Simplement le prix, c'est-à-dire que vous pouvez construire effectivement, dans votre village, l'atelier, un petit peu de couture. Voilà, je vais rester sur les noms des bâtiments, ce sera plus simple que de médiéval plutôt que les noms qu'ils emploient, hein. C'est un petit peu compliqué. Donc, l'atelier de couture, donc, qui vous permet de les revendre, mais bon, je trouve que les vendeurs n'ont pas énormément d'argent, que ce soit ceux que vous pouvez installer dans votre village directement ou ceux que vous allez aller trouver. Il faut aller. Faut faire tous les villages 50 fois avant de pouvoir tout vendre. Donc ça, c'est un petit peu pénible. Maintenant, ils ont facilité un petit peu la chose. On peut se TP maintenant grâce à la cloche, là où on peut faire le changement de saison. On peut se TP d'un village à un autre, mais ça coûte de l'argent à chaque fois. Une autre chose aussi qui est bonne à savoir, c'est que je vois souvent, quand je regarde des let's play sur Twitch ou sur YouTube, des gens qui, plutôt que faire le retour, ils se suicident. Sachez qu'à chaque fois que vous mourrez, que ce soit en dégâts de chute, parce qu'il y a les dégâts de chute, si vous mourrez, vous perdez de l'argent à chaque fois. Donc, c'est déjà pas évident encore à l'heure actuelle, en l'état du jeu, de gagner de l'argent assez facilement. Donc, faites attention parce que vous perdez de l'argent. Ensuite, vous avez la voix du leader. Donc, pour l'instant, sont disponibles que 3 points qu'on peut mettre dans le marchandage, dans la dignitaire. Je vous laisserai lire, hein, voilà. Et dans le commerçant. Au niveau de la voix de l'artisan, vous en avez 3 aussi pour l'instant, simplement de disponibles. Vous avez l'artisan efficace, la prise solide et le bûcheron. Dans la voie du guerrier en compétence, vous en avez 4. Vous avez le chasseur de fourrure, vous avez le vétéran, vous avez Hercule et vous avez l'extraction de graisse. Et dans la voie du moine, il y a 2 pour l'instant sanctuaires que vous pouvez découvrir. C'est le sanctuaire des Camis. Donc là, vous avez le sanctuaire d'Inari et le sanctuaire de Jizo. Les lieux spirituels que vous allez découvrir pour l'instant ne sont pas instaurés, d'où les petits cadenas que vous voyez. Il faudra déposer des offrandes, mais pour l'instant, ce n'est pas encore mis dans le jeu pour pouvoir avoir quelque chose qui se passe. Ce sont des bénédictions un petit peu. Et d'ailleurs, vous pouvez construire dans votre village les 2 temples qui sont ici présents. Pour que vos villageois soient heureux, vous y mettez 2 petites lampes à côté et vous allez voir, ça fait très sympa. Comme ça, selon leurs coutumes et leurs croyances, puisqu'ils viennent un petit peu du monde, de tout le monde, hein, ce sont des réfugiés un petit peu de partout, ils ont soit une vénération pour Inari, soit une vénération pour Jizo. Voilà, je vais y arriver. Au niveau des quêtes, comme vous le voyez, moi, je n'en ai plus aucune. Au niveau de la dynastie, donc, je suis niveau, vous voyez, 22. C'est en baisse parce qu'évidemment, là, je vous fais la vidéo, donc, ils ne sont pas très contents. Donc, j'ai 2 villages, j'ai 21 personnes sur 23 et j'ai 31 bâtiments sur 50. Alors, pourquoi je ne continue pas? Tout simplement, ben, parce que ça demande énormément de choses.
Et là, vous allez me dire, mais attends, moi, j'ai pas tout ça en bas. Au fur et à mesure où vous allez avancer, au début, vous allez avoir que la nourriture à gérer et le chauffage. Après, va se rajouter la boisson. Après, vous aurez la santé qui va se rajouter au fur et à mesure où vous allez monter votre dynastie. Donc, vous aurez besoin de gérer la nourriture, la boisson, le chauffage, la santé. L'entretien va se rajouter après par la suite. Alors, l'entretien, attention, ne vous trompez pas. L'entretien, c'est tout simplement de mettre dans votre entrepôt de stockage général de l'argile, des pierres taillées et de la paille et des planches. Voilà. Ça, c'est tout ce qu'il leur faut pour l'entretien. C'est pas comme dans Medieval où il fallait où vous répariez les bâtiments. Pour le moment, en l'état actuel du jeu, ça se fait comme ça. Donc, vous mettez de l'argile, des pierres taillées, donc des pierres que vous ramassez et que vous taillez dans l'exploitation minière, façon de parler. Et en tout dernier lieu, vous allez avoir la sécurité. Alors, la sécurité, moi, je pensais, pour être honnête avec vous, que c'était, comme on le voit sur le dessin, de protéger le contour de son village. Pas du tout. La sécurité, c'est mettre des armes. Alors, ça peut être tout ce qu'on a, hein, les arcs, ça peut être les bâtons là qu'on a même dans Médiéval. Enfin, toutes les armes, plus vous allez en mettre avec des flèches, etc., dans l'armurerie, plus ici, ça va monter. Alors, ici, ce sont ceux qui vont consommer à la prochaine saison. Donc là, vous voyez 155. Vous avez ces petits bonhommes. Si vous mettez ici, vous voyez, ça monte un petit peu à l'efficacité de la prochaine saison. Donc là, nourriture, je peux me le permettre. Boisson, pas trop. Chauffage, pas trop. Santé, c'est affolant le nombre de médicaments qu'il leur faut. Alors attention, s'ils n'ont pas de médicaments, c'est pas bon. Et puis, ils peuvent partir du village. L'entretien, bon, je peux pas trop. Et la sécurité, ben, j'ai eu beau, je leur ai mis, je vous le dis honnêtement, une trentaine, une quarantaine d'arcs. Hein, et je ne compte pas le nombre de flèches, plus d'autres armes. Même pas en 2 saisons, je vais dire, il n'y avait plus rien. Donc, ça consomme énormément. Et je pense que le ratio n'est pas encore au point entre la consommation de vos PNJ. La nourriture, la boisson, le chauffage, c'est pas vraiment un problème, mais la santé et la sécurité ainsi que l'entretien, je pense que le ratio là est mal fait. Il consomme énormément et pourtant il n'y a pas les bandits encore. Donc bon, la sécurité, vous me direz, ça peut être la chasse, mais bon, quand même, manger une trentaine d'arcs et je ne sais combien de flèches, plus d'autres armes en même pas 2 saisons, c'est énorme quoi. Et le nombre de fois qu'ils se blessent. Et ça coûte énormément. Donc voilà, et au niveau de la map, je vous l'ai montré. Si je reviens dans Dynastie, vous avez ici donc les villages. Vous pouvez le nom du village, vous pouvez ici, donc vous voyez, j'ai 27 sur 30 bâtiments, 18 personnes. Et ici, vous pouvez changer le nom que vous voulez mettre. Et n'oubliez pas, quand vous mettez le nom, de faire accepter pour que vous le voyez. Pareil pour ici. Quand vous allez changer le nom, ça va vous permettre de voir 2 différents motifs. C'est-à-dire que Tokyo, j'ai mis Tokyo au pif. Mais en fait, Tokyo, les personnages qui travaillent à Tokyo auront ce dessin-là à côté d'eux. Et les personnages qui travaillent à Toki auront ce dessin-là à côté d'eux. Donc n'oubliez pas de mettre Toki, de faire accepter, fermer et vous vérifier. Voilà. Au niveau de la population. Voilà, ils sont à peu près, vous voyez, tous contents. Tiens, Sayuri, je l'ai enlevé parce que, alors, les habits, le problème étant, c'est qu'à l'heure actuelle, je l'avais mis à faire des habits en paille. Et le problème étant, c'est que la paille, c'est pas possible, il la mange, quoi. J'ai dévalisé le champ qu'il y a après le pont à droite quand vous partez du village. Il doit y avoir plus de 3 000 herbes pour faire de la paille. J'ai dévalisé ça pour calculer, pour voir. Et quand il y a eu le changement de saison, il n'y avait plus de paille. Fini. Donc, bon, ça sert à d'autres choses. Mais bon, le problème étant, c'est que les vendeurs n'ayant pas énormément d'argent sur eux, on se retrouve avec le stockage plein. Et sachez que de faire un deuxième stockage ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'ils communiquent, comme dans Medieval. Sauf que, eh ben, si vous mettez 2 stockages généraux dans votre village,
tout simplement, ça ne vous augmentera pas la taille encore. Ça, on n'en est pas là, comme dans Médiéval. Ça vous fera simplement le même entrepôt, quoi, en fait. Voilà. Donc, pareil, hein, vous mettez un autre stockage dans votre village, il va communiquer avec votre premier village. Dans le troisième, c'est pareil, mais ça ne vous donnera pas un nouveau stockage qui va vous permettre d'avoir plus d'emplacement. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, tout le monde est à peu près content, sauf Kocha, celle où je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand vous avez ce petit icône-là, donc c'est plus des cueilleurs, c'est plus des gens que vous allez mettre à cabane de pêche, à station de stillage, pas ceux qui font vraiment, je veux dire, de l'artisanat pur. Et comme vous voyez, ceux qui font l'artisanat pur ont un petit test comme ceci. Donc ceux-là, vous pouvez les mettre à la forge, vous pouvez les mettre à cabane de chasse, vous pouvez les mettre là où on construit, où on fabrique, où on transforme des objets. Et Kocha, que j'ai recruté en dernier, que j'ai mis au deuxième village, bah, elle n'est pas contente. Pourquoi? Elle est moyenne. Je l'ai mis au foyer enterré pour qu'elle fasse à manger, cuire les trucs. Bah, elle n'est pas très contente. Bah, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de projet. Donc pour moi, là, je préfère attendre d'avoir des mages, de l'ajout, pour voir, pour éviter qu'elle parte, tout simplement. Au niveau des emplois, vous pouvez voir ici un récapitulatif de votre production. Vous voyez ici tout ce que vous avez, ce qui vont consommer, voilà, et ce qui restera, mais c'est quand même plus, je vous conseillerais plus de regarder dans l'onglet ici Dynastie, où c'est beaucoup plus clair. Vous savez là par exemple que ils vont consommer sur 5951 1115 de nourriture, là de boissons pareil. Et là, vous voyez, au niveau santé, j'ai 1040 de santé, ils vont consommer 1097. Donc, je n'en ai pas assez, il faut en refaire. Et c'est affolant, le nombre de médicaments. Je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne sais pas ce qu'ils font. On ne les voit pas trop travailler. Voilà, donc, je ne sais pas ce qu'ils font. Mais en tout cas, ils consomment les médicaments. Et pour la sécurité, c'est pareil. Vous voyez, ils en demandent 909 pour la prochaine saison. Et j'en ai 685. Donc, on passe son temps un petit peu après à faire que ça. Remplir l'eau, remplir le stockage, remplir l'armurerie. Voilà. Donc, c'est un petit peu à la fin redondant. Donc, il faut un petit peu plus de contenu, mais il faut leur laisser le temps. Donc, ici, vous pouvez voir l'état, le personnage que vous avez mis. Ici, comme je vous disais, vous avez tous les personnages qui travaillent au village que j'ai appelé Tokyo. Hein, donc ma partie, moi, elle était test. Et ici, pour Toki, vous voyez, ça fait un autre schéma. Donc vous savez qui travaille où et qui fait quoi où. Voilà. Parce que quand vous avez, par exemple, deux cabanes de bûcherons, ben, à côté, ça sera affiché que c'est la cabane de bûcherons de Toki ou la cabane de bûcherons de Tokyo. Voilà, tout simplement. Autre chose aussi, alors je ne sais plus où c'est ici. Donc vous pouvez, voilà, soit monter ou descendre ici. Mais vous voyez ici, c'est en chute, ils auront une efficacité moins importante. Donc, quand vous avez vraiment une grosse marche comme ça, je vous conseille de monter le petit bonhomme en vert. Ici, pour les boissons, bon, je peux me permettre de monter. Vous voyez, ça monte à 90. Ici, si je monte en chauffage, je peux me le permettre, ça monte à 96. Et si je venais à monter, regardez, ici, ici et ici, si je montais tout, on serait à 100% et comme bon, il m'en manque un petit peu, mais il pourrait même être encore plus haut, à 110, 120%. Mais ici, comme vous le voyez, ça fait beaucoup, ça me demanderait d'aller courir partout pour aller chercher des choses que je n'ai pas automatiquement besoin à l'état actuel des choses. Donc là, ils sont à peu près neutres, ils seront à 96%. Voilà, la romance n'est pas encore mise en place. Autre petite chose, quand vous construisez une maison, vous avez pris votre marteau en main. Le problème étant, c'est que quand il y a le marteau, vous ne pouvez absolument rien saisir dans les entrepôts que vous avez là. Voilà, là ici, c'est l'entrepôt de bois. Vous ne pouvez pas, voyez, vous ne pouvez pas saisir ce qu'il y a à l'intérieur. Il vous faut automatiquement changer d'objet pour pouvoir avoir accès à l'entrepôt. Et ce que je vous expliquais, c'est ça. C'est que vous voyez, j'ai fait un entrepôt où je mets tout le bois. Et j'ai posé ici un autre entrepôt de bois dynastique. Le problème étant, c'est que c'est la même chose. J'ai testé de construire un autre bâtiment. Le bâtiment, je vous parle du carré,
ça ne change absolument rien. Donc après, vous devez y poser de toute façon les rondins. Les rondins, c'est-à-dire les entrepôts de bois dynastique dessus. Et ça ne fait pas un nouveau, mais pas du tout un nouveau entrepôt où vous aurez plus de place. La chose aussi à savoir, ce que je tiens à la main là est une des armes qu'on peut trouver en fouillant dans les villages. Alors faites bien le tour, tournez, virez. Alors autre chose aussi qu'il faudrait qu'ils changent et ou alors qu'ils revoient, c'est, je vais mettre sur pause parce que sinon il va mourir mon monsieur. Ce qui serait bien qu'ils changent aussi, c'est qu'on arrête de courir après les vendeurs. Parce qu'on ne sait plus où on en est, on ne sait plus à qui on a parlé. Les vendeurs qu'il y a dans les villages, il faut leur courir après pour pouvoir les choper et leur demander ce qu'ils ont à vendre ou commercer avec eux. Et après, ils se barrent, ils repartent. Donc, vous ne savez plus, en fait, à qui vous avez parlé. Donc, ça, au niveau de l'IA, ils sont en train de revoir aussi tout ça. Donc, je vais peut-être le faire dormir pour que vous voyez un petit peu les choses d'un peu mieux, je pense. En sachant que moi, je n'ai pas une maison vraiment attribuée. J'ai un petit peu un SDF qui court partout. On va le faire dormir 8 heures. Il ronfle. Il ronfle. Voilà. Ben, c'est toujours la nuit. On va le faire manger. Est-ce que j'ai un truc à manger? Oui. On va le faire manger vite fait, histoire qu'il ne me meure pas dans les mains. Là, je ne peux plus dormir. Il n'y est. Où c'est que je pourrais dormir pour pouvoir faire passer le temps? Ici, il y a quelqu'un. Ici. Alors, je commence à évidemment préparer, c'est-à-dire mettre un homme, une femme. Mais bon, pour l'instant, la romance n'étant pas implantée. Voilà. Donc, ici, au niveau du village. Donc, tout ce qui est possible de débloquer en l'état actuel des choses, c'est ce que vous pouvez voir ici, c'est-à-dire la cabane à bois, le stockage de bois, une autre cabane en bois parce que c'est vraiment le bois, hein, la base du jeu, l'entrepôt de nourriture, on dira. Enfin, non, la réserve de nourriture dynastique, pardon. Ici, la réserve de nourriture tout court. Là, ici, l'entrepôt général. Moi, j'ai fait une troisième cabane en bois. Pareil, si vous faites un autre entrepôt comme celui-ci, il sera commun. Donc, que vous en construisiez un autre ne changera rien en l'état actuel du jeu. Donc là, moi, j'ai fait une autre cabane en bois. Ici, vous avez ce qu'ils appellent... Alors, pour ça, il faut que je prenne mon marteau. La brasserie. Donc, dans la brasserie, ça se débloque bien plus tard. Vous pouvez faire ici des tonneaux de riz. Alors pour ça, il faut ajouter 20 riz, 20 bois de chauffe et 20 eau. Ensuite, vous pouvez le riz, vous pouvez l'acheter pour le moment. Hein, on ne peut pas le faire nous-mêmes. Hein. Ici, avec de la glace, vous pouvez faire des tonneaux de fermentation que vous transformerez ici après en saké et que vous pourrez mettre dans la réserve ici d'eau qui est avec. Voilà. La petite astuce importante que je pourrais vous donner, puisque la cabane de glace, vous ne l'aurez pas débloquée. Voilà, c'est la cabane de glace que vous ne débloquerez pas niveau 21. Il y a une chose qui est très importante que vous pouvez faire tant que vous n'aurez pas la cabane de glace, c'est construire ceci. Pourquoi? Parce que si vous regardez, je vais reprendre parce qu'il y a le marteau, sinon vous ne pourrez pas voir. Ici, dans un abreuvoir, ça va récupérer l'eau de pluie. Si vous le laissez et que vous ne le touchez pas, quand ça va être l'hiver, vous aurez ici de la glace. Voilà. Donc, ça vous permettra de faire des choses puisque vous en avez besoin pour faire certaines choses. Donc, la cabane, ici, vous faites les abreuvoirs. Alors, je reprends mon marteau. Si on vient, alors que je ne dise pas de bêtises, c'est pas là. Hop. Ici, vous avez les abreuvoirs. Vous en faites 5, 6, 7, 8, 9, 10, peu importe. Vous les posez, vous les laissez, vous laissez l'eau. Et quand la saison de l'hiver arrivera, ici, vous pourrez récupérer de la glace. Je vous montre, je n'ai pas, moi,
construit, vous l'avez vu, la truc de glace. J'ai juste un stockage. Et du fait d'avoir fait l'abreuvoir, quand je vais dans le coffre à glace dynastique, si j'ouvre, à moins qu'ils me l'aient consommé, j'espère pas, ben si, mais ils ont consommé. Donc ici, j'avais une vingtaine ou une trentaine de blocs de glace. Voilà, bon, ben, comme quoi, voilà, lui, je ne sais pas ce qu'il veut, mais je n'ai pas le temps de te parler. Donc ça, c'est une petite astuce. Après, vous allez me dire comment tu as fait pour mettre le four qui est ici. Je reprends mon marteau. Au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez débloquer des choses. Ici, par exemple, vous allez débloquer, voilà, de pouvoir mettre, par exemple, le four ailleurs, ici, par exemple, puisque vous voulez faire du charbon, plutôt qu'aller tout le temps là-bas à la forge, ben, vous mettez votre four à charbon à côté du bois, puisque c'est avec le bois de chauffage que vous faites le charbon. Donc, il y a différentes, ici, c'est de la décoration, vous pouvez poser des bancs. Autre problème, et qu'il faudrait qu'il rectifie, c'est que dans Medieval, si vous vous rappelez, les bancs, on avait des petites figurines vertes qui nous montraient le sens du banc. Dans quel sens le poser, ben là, on ne l'a pas. Donc, quand on pose un banc, le problème, c'est que des fois, on les voit à l'envers. Donc, il faut juste y tomber dessus et tourner le banc dans l'autre sens. Donc, ça, j'espère qu'ils vont le rectifier aussi. Ici, vous avez des panneaux indicateurs. Bon, qui vont vous permettre de dire aux voyageurs qui passent dans le futur, parce que pour l'instant, hein, c'est pas fait, des informations sur la région. Ça, c'est des cibles de tir à l'arc. Bon, ça fait déco, mais bon, ça peut être sympa dans votre village. Ça, très important à faire. Ça, ne le faites pas. Un gibet, c'est tout simplement une structure sinistre qui servait à pendre les condamnés et qui, bon, ben, va pas être super sympa dans votre village, d'autant plus que dans le village brûlé, on en a déjà un et on peut pas l'enlever. La charrette, bon, ben, c'est de la déco, donc tout ça, à vous de voir. Vous pouvez mettre des bancs, des sièges, il y en a des différents. Là, c'est vous qui voyez. Au niveau des lampes, donc vous avez des lampes qui se font, vous voyez, avec le minerai de fer. Hop, hop, minerai de fer. Là aussi, il faudrait qu'ils jettent un petit œil parce qu'on a tout type d'œufs et on ne sait pas. Donc, ça peut être des rondins, ça peut être des planches ou ça peut être de l'écorce. Donc, prenez sur vous quand vous avez tout type d'œufs et que vous ne savez pas tout type de quoi. Ben, prenez des rondins, prenez des planches ou prenez tout simplement de l'écorce sur vous. Comme ça, vous verrez ce qui manque. Donc, vous avez différentes lumières. Certaines demandent des feuilles en papier, des lampes en papier. D'autres demandent simplement des torches que vous pouvez accrocher au mur ou tout simplement demandent des braseros comme vous le voyez là. Ici, vous avez tout ce qui est, ils en ont rajouté, donc différentes barrières pour décorer votre village. Ça, ils considèrent ça comme des clôtures défensives, en bois. Oui, ça protège votre village, que les gens rentrent, mais quand moi j'ai fini mon village, j'avais pas encore tout ça qui était sorti. Donc j'ai fait grosso modo un vilain truc pas beau. Mais bon, ça ne m'empêchera pas de voir avec les nouveautés. Parce que est-ce que ça va se passer comme ça s'est passé avec Medieval? C'est-à-dire quand ils vont faire les gros ajouts, il va falloir recommencer une partie de zéro. Je ne sais pas. Hein. Ça s'était passé plusieurs fois, rappelez-vous, avec Medieval. Est-ce qu'on va avoir le même problème? Je ne peux pas vous dire. Je n'en sais rien. Donc, par sécurité, pour l'instant, le jeu, je le mets en stand-by. Et je vous ferai des vidéos au cas par cas, quand il y aura des ajouts, quand il y aura des choses importantes, comme je le faisais pour Medieval. Ici, vous pouvez construire des huttes de mendiants. Les huttes de mendiants, c'est ici. Vous pouvez avoir des mendiants. Alors, vous voyez, hein, j'ai fait grosso modo pensant que la sécurité, c'était ça. Mais pas du tout. Hein. La sécurité, ce n'est tout simplement que des armes qu'il va falloir mettre à l'armurerie. Donc là, c'est des mendiants. Donc, vous pouvez faire une baraque avec un mendiant, deux mendiants, une hutte de mendiants, pardon, avec trois mendiants, deux mendiants ou un mendiant. Moi, j'en ai fait trois de trois. Le petit truc comique, je dirais, dans l'histoire, c'est que quand on fait ça, ils sont un petit peu à la queue leu-leu. Voilà. Donc, vous ne savez pas trop à qui vous parlez et c'est assez compliqué d'acheter ou de commercer quand ils sont comme ça. Alors, j'ai essayé de déplacer les maisons, ça ne change rien. On dirait qu'ils sont siamois, en fait. Ces trois siamois, ils sont collés. Donc, peut-être faire plutôt une construction de un mendiant plutôt que de trois, en attendant que ça aussi, ça se règle. Ensuite, j'ai fait ici une tour de guet
pour protéger mon village. L'entrée sera donc peut-être par ici, ou peut-être que s'il faut faire une nouvelle partie, je le tournerai différemment, je le ferai différemment. Tiens, d'ailleurs, j'en ai une là que je n'ai pas fait. Donc, ici, je vous ai tout montré. Je pense, je vais reprendre mon arme qui vaut vraiment le coup. Vous voyez là, par exemple, j'ai refait un truc de nourriture dynastique. Ça ne me change rien. Regardez bien ici. Voilà. Contenu conteneur. Et je vais aller à l'autre. Et si je remonte, c'est la même chose. Et c'est pareil pour tout. Donc, à voir si ça, ils vont le changer ou pas. Et que de faire, par exemple, deux entrepôts ou deux entrepôts généraux. Deux entrepôts généraux, général, bon bref, nous augmentent la capacité et non pas fasse un truc commun, qui soit commun, mais qu'ils augmentent aussi la capacité. Donc après, vous avez aussi un bug qui est au niveau des constructions de maisons. Ici, alors moins que c'était rectifié, ça aussi, et qui me mettent en porte-à-faux, vous avez une petite maison qui accueille toutes sortes de meubles. Donc ça, c'est pour... ce sont les petites deux petites maisons que vous avez là. Donc, il y a deux lignes. Et ici, vous avez une maison ordinaire. Ça vous dit aussi la même chose. Et là, par contre, ça vous dit que ça peut accueillir de nombreuses personnes et des choses. C'est un bug, en fait. Regardez, si vous allez ici, maison niveau 1, donc vous avez effectivement un lit et un foyer où vous pouvez rajouter dessus la marmite. D'ailleurs, c'est ici, j'ai changé, que vous allez pouvoir... faire les médicaments. Pour faire les médicaments, vous avez cette solution-là, donc de l'eau, tout type de, alors je vous le dis, c'est de l'écorce, des chrysanthèmes et des cruches en pierre, où je vais vous montrer où ça se fait, et ou alors de faire des antidotes avec de l'eau, du charbon et des bouteilles en bois qui se font ben là où il y a le bois, tout simplement. Donc ça demande énormément, et puis les consommes, je vous dis, aussi vite que des bonbons. Donc là, vous avez deux maisons niveau 1, donc avec un seul lit. Et les maisons niveau 2, ici, vous voyez, en deux lits. Voilà. Donc là, j'ai fait un petit test, vous voyez, avec voilà, des petites rambardes, comme j'avais fait dans le médiéval, avec des bancs devant. Ici, il y a, je ne sais plus où est-ce, ouais, c'est là. J'ai mis un petit crochet ici. Et vous pouvez accrocher des torches. Attention, vous avez deux sortes de torches. Les torches pour vous éclairer et les torches pour suspendre ici au mur. Ne vous trompez pas dans les lampes. Regardez bien, lisez bien. Ici, je leur avais fait donc ce que je vous parlais. Un petit monument où ils peuvent, où ils vont pas. Mais bon, ça les rend heureux. C'est un petit monument de selon leurs croyances. Il faut que j'en fasse un deuxième. Mais j'attendais d'avoir la taverne pour pouvoir faire ici un lieu, un petit peu comme j'avais fait dans Médiéval, un lieu où ils se retrouvent autour du feu, où ils parlent entre eux, etc. Mais pour l'instant, bon, je leur ai fait un petit feu de camp. Ils viennent hein, le soir ici, ils se retrouvent ici autour. Alors, des fois, il y en a un qui est de ce côté, il a les pieds là, l'autre là, les pieds là. Mais évidemment, je ne connais pas le sens du banc quand je le construis. Donc voilà, ici, donc on arrive à la cabane de pêche ici que vous devriez débloquer au niveau entre 5 et 8 grand max. Ici, qui est là. Voilà. Et ici, quand vous remontez, vous allez avoir l'armurerie. Alors, je n'ai pas rejoué depuis, donc ils m'ont encore bouffé tous les arcs. Voilà, j'avais tout rempli, hein. Tout rempli. Donc, vous voyez, ceci, bon, ben, ça marche une saison, hein. Ça le consomme énormément. Donc, il vaut mieux faire des objets en fer ou carrément en acier. Le problème étant, c'est que je vous dis, tant que ça ne repop pas, on a un problème. Donc, remplissez ça et vous verrez que la sécurité va monter. Donc, moi, c'était tout rempli. Et en deux saisons, regardez tout ce qu'ils ont consommé. Donc, je trouve que le ratio n'est pas proportionnel. Exactement à ce qui se passe en ce moment, puisque les bandits ne sont pas incorporés. Hein. Donc ici, vous avez ce que j'appelle moi l'exploitation minière, mais qui n'est pas comme dans Médiéval, des choses qui vont vous faire permettre d'envoyer de faire travailler des mineurs, mais des tailleurs de pierre. Alors, il y a un petit bug aussi là, ici, vous voyez. Donc vous pouvez fabriquer, vous voyez ici,
Ce sont des statues différentes. Alors, elles peuvent servir pour construire les petits temples. Ou alors, ce sera aussi ça qu'il faudra placer, je pense, je n'en suis pas sûre, au niveau des temples que je vous ai parlé au début, qui sont encore vérolés pour le moment. Ensuite, vous pouvez aussi ici construire... Ici, c'est tout ce qui est pierre. Donc là, vous pouvez faire les cruches en pierre qui vont vous servir à faire les médicaments. Et les pierres ciselées, je vois beaucoup de gens qui cherchent. Les pierres ciselées, c'est ici. Donc, vous ramassez des pierres bêtes et méchantes et vous les transformez en pierres ciselées ici. Voilà. Et ça, ça fait partie aussi de l'entretien du village. Et c'est très important de les faire. Voilà. Si vous n'en trouvez pas, si vous n'avez pas encore débloqué l'établi de tailleur de pierre, il y a des vendeurs au niveau des deux du village où on va le faire. Mais surtout, ici, là, en prenant le pont qui est ici, et en allant par là, par ici, il y a des vendeurs itinérants qui vendent de la pierre ciselée. Et ils vous en, pour le projet qui demande la pierre ciselée et qui embête tout le monde, il vous en faut 40. Donc, n'hésitez pas à revenir le voir à la saison d'après, d'autant plus que vous pouvez sauter des saisons. Attention, ça consomme de sauter des saisons. Donc, faites attention. Donc, voilà. Vous voyez, sur la map, maintenant qu'on peut zoomer, tous ces petits temples-là, ce sera des trucs en pierre, je pense, hein, qu'il va falloir mettre. Il y en a un petit peu partout. Il faut tous les trouver. Mais pour l'instant, c'est vérolé. Donc, vraiment, la première des choses à faire, c'est vous concentrer à faire tous les projets de la map. Donc, je vous la laisse un petit peu à l'écran, comme ça, pour que vous voyez exactement où c'est situé. C'est pas vous spoiler, simplement vous aider. Faites attention aussi quand vous vous baladez sur l'eau. Pour l'instant, on est un petit peu Jésus. On marche sur l'eau ou sous l'eau, on ne prend pas de dégâts. Je pense que ça, ça va être rectifié aussi. Donc, vous avez des mines et vous en avez une qui est ici, là où j'ai mis Toki. Vous avez celle de, je ne sais plus, d'Iwaki ou de Segi. Et il y en a deux autres, dont une qui est planquée dans des amas de pierres ici. Donc, fouinez. Il y a plein de choses cachées. Il y a des trésors cachés, il y a plein de choses cachées. Mais pour les pierres ciselées, voyez aussi avec les villageois intermittents. Ouais, ceux qui sont là à un endroit pendant un temps et qui après n'y sont plus. Mais allez, à chaque saison, il vous faudra pour ce projet 40 pierres ciselées. Donc, essayez d'avoir ces 40 pierres. Après, vous n'en aurez plus besoin. Vous aurez débloqué sûrement l'exploitation de pierres. Donc, ne vous embêtez pas. Prenez les 40 pierres ciselées. Vendez des bâtons, vendez des vêtements, vendez tout ce que vous trouvez. Et vous verrez que vous allez très, très vite monter. Ici, vous avez toujours la petite mamie qui vous demande... des quêtes, alors c'est souvent de ramener des œufs. Elle vous donne des médicaments, ça aide beaucoup. N'oubliez pas aussi de fouiller à chaque saison les maisons qu'il y a partout. Parce qu'une fois que vous avez ramassé à une saison, automatiquement la saison d'après, il y aura d'autres choses qui seront là présentes. Et ça peut vous aider énormément. Au niveau qu'est-ce que je peux vous montrer? Je pense que c'est la cabane de chasse. Il va faire nuit déjà, mais les saisons, pour l'instant, on ne peut pas les régler. Espérons que dans ce sera comme dans Médiéval, on pourra régler la longueur de nos saisons. Donc, vous voyez, j'ai fait un petit peu à l'arrache, en pensant que c'était ça, je voulais tester, et pas du tout, c'est des armes. Donc, n'oubliez pas, pour vous faciliter la vie, dans chaque bâtiment, vous regardez tout simplement ce que vous pouvez construire. Et vous mettez un coffre dynastique d'entrepôt général et évidemment ce que vous avez besoin. Donc là, j'ai besoin de bois, donc j'ai mis une pile de bois, ça m'évite de courir partout, j'ai tout à côté de moi. Donc on peut faire, vous voyez, des flèches, ça demande des bâtons, des plumes et des pierres, donc je suis là, pas de problème. Là, ça demande tout type de planches, c'est des planches pour faire les arcs, des bambous et de la paille. Pour faire l'autre, c'est aussi des planches mais avec du cuir. Et après, on n'a pas encore débloqué tout ce qui est sabre, etc., etc. À moins que ce soit à la forge et que je dise encore une bêtise d'un truc que je n'ai pas vu. Je vais vite aller à ma forge.
Donc pareil, vous voyez là, j'ai le bois parce que ici il y a du charbon. Et là, comme ça, je ne vais pas courir partout. Quand j'ai besoin du fer, poc, je prends et je fais mes trucs. Ici, vous pouvez faire, donc, vous voyez, différentes armes qui aident énormément. Les katanas. L'appel n'est pas débloqué. Le kama n'est pas encore débloqué. La houe n'est pas encore débloquée. L'outil pour sculpter le bois et la pierre, ça ne sert pas grand-chose, honnêtement, pour l'instant. Je vous conseillerais de faire des yari, c'est ce que j'ai à la main. Et ça, one shot, ça fait très mal quand vous tapez un sanglier, quand vous tapez un bandit. Ça fait très très mal et vous prenez quasiment pas de dégâts. Donc ici, les pioches, etc. Donc vous pouvez leur mettre en défense des katanas. Vous pouvez, la faucille, on l'a, mais elle est vérolée. Voilà, ça c'est vérolé pour l'instant. Et vous pouvez leur mettre aussi les yari. Donc yari. Katana, arc, flèche. Attention à votre fer, je vous le répète, pour l'instant, ça ne repop pas. Donc dites-moi, vous, en commentaire, si vous avez les choses qui ont repop ou pas. Donc ce que je vais faire, moi, de mon côté, là, je vous ai montré un petit peu tout. C'est pas la peine que j'aille me balader. Est-ce que j'ai une torche sur moi? Ouais. Ce n'est pas la peine que j'aille vous montrer l'autre village. Il n'y a pas vraiment grand-chose. Je vous dis, j'ai mis deux maisons. Voilà. Vous aurez donc quatre cloches quand vous aurez fini le niveau 21. Ici, c'est ça que je vous disais. C'est là où ils pendaient les morts. Donc, on ne peut pas le casser. Et c'est pas terriblos. Je vous dirais honnêtement, hein, avoir un truc où on a tué des gens, c'est pas génial. Donc, déjà, vous avez de quoi faire avec tout ça. Ici. Vous faites une autre enclume de forge et vous pouvez ici faire le tatarak et le fourneau qui va vous transformer du fer, qui va vous transformer le fer en acier en mettant 20 fer et 40 charbon. Donc ça demande énormément, énormément de choses. Autre chose à ne pas oublier, n'oubliez pas de leur mettre dans l'entrepôt, ici, général, pour vos bûcherons des haches. Pour des couteaux pour le chasseur, des filets de pêche pour tout simplement celle qui s'occupe de la pêche, des haches, les médicaments, des seaux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous voyez les cloches, les machins, les lampes, ça pour l'instant, je ne pouvais pas les faire, mais je vais regarder de mon côté. Donc voilà. Et par contre, la pourriture pour l'instant ne sert pas. Mais je pense qu'on aura un nouveau bâtiment. Peut-être que c'est déjà dans un des deux bâtiments que je vais essayer de voir si je peux le construire. Qu'on peut utiliser la pourriture. Alors je pense que ça servira aussi pour les récoltes, pour les champs. Puisque comme dans Medieval, je pense en toute logique que la pourriture, on pourra le transformer en engrais et planter du riz pour pouvoir faire ce fameux riz qu'on attend pour pouvoir faire des plats différents. Donc voilà, je pense vous avoir un petit peu tout montré. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je préfère faire ces jeux-là directement sur ma chaîne Twitch. Vous avez le lien, donc je vous invite à venir me voir sur la chaîne Twitch. Comme ça, vous pourrez me parler directement dans le chat. Sur la chaîne YouTube, je vous ferai des petites vidéos dès qu'il y a une mage. Je vous ferai des petites vidéos pour les astuces. Faites ça, ne l'oubliez pas. Surtout, ne l'oubliez pas. L'entrepôt d'eau, etc. Faites à coup de 50 seaux d'eau. Voilà. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Faites tout ça. Écoutez. Je pense avoir fait le tour pour l'instant en l'état actuel du jeu. Dès qu'il y a une mage, dès qu'il y a tout ça, je vous refais une vidéo promis. En attendant, je vous fais plein de bibis, plein de zouzous. Et j'attends vos commentaires, vos retours. N'hésitez pas à me dire, vous, les problèmes que vous rencontrez. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Ah, n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne YouTube. Un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et en attendant, bye bye et à la prochaine.